Salut à tous, l'idée d'aujourd'hui c'est de travailler une introduction à partir des samples de ce morceau et vous montrer un peu en fait comment je travaille, comment je slice les samples de Vengeance pour arriver à créer une introduction un peu dynamique. Je pense que je vais le faire en deux parties, je vais faire une partie d'abord drums et une seconde plus axée sur les FX et les risers. Allez, je crois que je vous avais laissé hier avec cette rythmique qu'on peut rapidement se réécouter pour voir ce que c'était. Voilà, donc là on avait donc notre rythmique construite, prêt à démarrer l'introduction, et maintenant je vais vous montrer en fait comment on va convertir les fichiers MIDI et l'audio directement dans live. Avant de faire ça quand même, je vous conseille de sauvegarder toujours, moi je l'ai déjà fait. Si vous voulez, là vous pouvez également enregistrer avec les samples. Allez, on est parti, maintenant je vais vous montrer un petit peu comment se passe le drag and drop dans Machine. Alors d'abord on va commencer je pense par le drag and drop audio, puis MIDI, et après je vous montrerai comment ça se passe pour enregistrer directement l'audio de Machine dans des scènes de live et pour pouvoir s'en servir en concert. Donc l'idée c'est d'abord de cliquer sur cette flèche, aller sur le pattern drag mode, normalement par défaut c'est réglé sur audio, mais enfin vérifiez-le. Voilà, maintenant que vous êtes là, moi j'ai deux pistes audio ouvertes d'origine dans Live 9, donc il suffit, là vous attrapez la flèche, on vous dit de rester la souris compressée. Dès que c'est bon, voilà, maintenant je peux le drag and drop dans mon audio. Ce qu'on va faire pour pas que ça joue en double, c'est me mettre sur une scène suivante. Voilà. Et donc là... Voilà, là vous voyez, j'ai directement l'audio de mon groupe A qui sont mes drums. Hein. Là je peux muter ça pour vous voyez bien. Voilà, donc l'export audio s'est fait sans problème, j'ai tous mes drums. Le petit souci dans cette histoire, c'est que là j'ai tous les sons et ça fait une boucle, quoi. Donc je peux pas, par exemple, m'amuser à les mixer, à les équaliser. Là j'ai le produit définitif, on va dire. Là je peux vous montrer, on peut faire pareil pour drag and drop et le groupe B qui sont juste les tomes, hein. Donc là c'est pareil, je maintiens. Voilà, toujours pareil, pour pas entendre en double, vous mettez sur un autre pattern, voilà. Fermez machine. Donc là, j'ai ma boucle qu'on a faite dans machine, qui est intégrale, mais bon, c'est pas en séparé, donc je trouve qu'il y a encore une petite limite. Alors, ce que je voulais vous montrer dans cette histoire, on va continuer, je vais vous montrer le drag and drop MIDI. Alors pour faire ça, toujours pareil, on va aller dans Machine. On va en fait séparer si vous voulez. Moi j'ai le groupe A qu'on peut appeler Drums et le groupe B qui sont mes tomes. Donc on va faire deux fichiers MIDI pour déclencher ça. Et en gros si vous voulez, pour avoir, l'idée c'est d'avoir qu'une instance de Machine ouverte avec tous les fichiers MIDI qui déclenchent chaque son différent. Comme ça, si vous êtes sur un laptop comme moi, ça vous évite de lancer trop d'instances et d'avoir en gros votre processeur qui sature. Donc comment ça fonctionne, ben, c'est un petit peu pareil que le drag and drop de l'audio, hein. Il suffit d'aller sur la bonne scène, de vous mettre en mode MIDI, voilà. À partir de là, voilà, là il va vous demander dans le Sound MIDI Batchup comment vous les régler. Donc moi je le mets en C1 parce qu'en gros c'est comme ça qu'est réglé dans toutes les banques de samples, le C1 c'est en gros le kick. Donc comme ça, si vous avez fait une programmation qui vous intéresse et que vous voulez la changer dans d'autres banques, si vous avez... par exemple des EXS24, ça fonctionnera, quoi, ça sera la bonne chose. Donc là on est bon. Je vais drag and dropper ici, voilà. Je m'occupe pareil de mes tomes. Hein. Voilà, donc là par contre, vu que c'est, si vous voulez, le groupe A est en MIDI channel 1, le groupe B en 2, C, etc. Je vais mettre en MIDI channel 2 pour être sûr que mon MIDI commande bien mon groupe B. Voilà, je vais appliquer. Je vais mettre ici, voilà. Là on peut renommer, on va appeler ça drums. Ici tom. Voilà. Donc l'idée pour que ça commande dans Machine, c'est toujours pareil, il faut qu'on s'enlève pour pas que ça joue en double et qu'il y ait des problèmes de phasing. Donc ça, on est plutôt ok là-dessus. Et là, donc l'idée c'est de vous mettre, si vous voulez, en input de Machine 1 vers le premier MIDI channel. Là en machine 1 vers le second MIDI channel. Donc normalement, tout devrait fonctionner et vous avez... Vous voyez là, j'ai juste mes drums qui fonctionnent. Là, si je fais ça, j'ai mes drums. Donc là, en gros, ce qui est plutôt bien, c'est que j'ai, si vous voulez, tous vos fichiers MIDI qui sont encore disponibles. Vous pouvez encore les modifier, si vous n'êtes pas content de certaines programmations, vous avez encore cette liberté, en gardant une seule instance de machine. Donc ça, c'est déjà pas mal, on va dire. Ce que vous pouvez faire, c'est grouper, hein, si vous voulez un petit peu vous faire de la place, sur vous avez un laptop, tout ça, là vous avez votre groupe de MIDI. Donc là, on est OK. En gros, ça vous déclenche machine. La seule chose qui est peut-être un petit peu embêtante dans cette histoire, c'est que si vous voulez mixer certains sons précisément, le kick séparé, pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une piste audio. Ce qu'il faut faire dans Machine, si vous voulez, c'est qu'on va faire du multi-output, donc du multi-timbral. En gros, c'est assez intéressant, si vous voulez, d'avoir des effets que vous faites vous-même, comme ça, vous êtes un peu original, on va dire, hein. Donc ce qu'il y a de plus, c'est qu'avec ces risers, vous voyez, il y a un effet qui monte là. Voilà. Moi, je travaille comme ça, j'en mets un qui fait 16 mesures. Et un second qui rentre dans les 8 dernières mesures. Comme ça, vous avez l'impression que l'effet, vous voyez, il monte toujours, quoi. Et je vais vous montrer, je pense, tout de suite, comment j'ai fait les risers pour ceux que ça intéresse. Et voilà, je pense que ça conclura ce tutoriel qui va certainement faire plus d'une heure, je pense, sur Machine. Allez, nous revoilà donc dans une session live toute vide, où je vais vous montrer un petit peu comment faire un riser basique. Après, ça sera chacun essayer de faire ce que vous aimez, mais je vous montrerai en gros les risers qui fonctionnent bien, qui sont assez simples à faire. Donc l'idéal pour ça, c'est de prendre un Silent One, hein. Voilà. Ce qui est pas mal en fait, si vous avez acheté le Silent, vous avez la Factory Bank de Von Baker. Il y a un son qui est plutôt bien fait pour ça, c'est le voilà, Supernova, je crois, hein, ou un JP8000, je sais pas, voilà. Donc là, voilà, vous avez un son de Super Saut. Alors l'idée, c'est que je vais le faire directement en mode session, comme ça je vais vous montrer comment on utilise un petit peu la possibilité de faire des automations directement dans les sessions avec Live 9.